Eh bien salut tout le monde, ici Azarat, on se retrouve pour la suite de Game Dev Tycoon. Alors depuis la dernière fois, après le lamentable échec, donc à l'épisode dernier, j'ai fait un petit voyage dans le temps pour corriger mes erreurs, et là, ça se passe super, j'ai mon labo de recherche et développement, je suis en train de rechercher l'internet tout simplement, et pour l'instant ça se passe super, hein, comme je viens de dire, donc on a 11 millions d'œufs, on a une petite marge, hein, mais ça commence à faire juste. Donc, parce que bon, faut dire que plus on avance dans le jeu, plus on va avoir besoin d'argent pour les développer, etc. Alors je vais juste vite fait regarder où j'en étais. Par exemple, dans les recherches. Alors, pour me remettre un peu dans le bas. Multi-genre mini-jeu, d'accord. Il y a le multiplateforme, je crois qu'il faut que je développe. Voilà, multiplateforme, ok. 100 000 mots. Oh là, 100 points de recherche. Ça tombe bien, on a 90. On va juste faire un petit travail sous contrat. Je vais y arriver. Eh, je suis fatigué, moi. Et ça devrait suffire, je pense. Celui-là a l'air pas mal. Hein. Pas trop dur, 8 semaines. Ça va. Allez, c'est parti. Ça devrait me fournir largement... Oh, putain, il manque 3 points de recherche, quoi. Ok, ok. Bon, c'est pas grave, on va en refaire un. Travail sous contrat. On va prendre celui-là. Allez, s'il vous plaît. Ok, putain. Décidément, allez, travaille sur le contrat. Celui-là. S'il vous plaît, allez, allez. 98, c'est pas possible. Sous contrat, allez, allez. Ah, celui-là, normalement, c'est bon. Voilà, nickel, 101. Ça y est, la Xbox 360 est sortie. Voilà, voilà. Là, on va pouvoir rechercher enfin le multiplateforme. Alors ça, ça va faire grimper les ventes. Ok, bon, ça va, il m'a rapporté 4 millions. C'est relativement stable, hein, on va dire. C'est le jeu de base, quoi. C'est des bonnes ventes, on va dire. Allez, allez, mon coco. Pourquoi pas... On va prendre le... Ah, j'hésite. On va prendre le stand intermédiaire. On va pas non plus trop dépenser. Allez, dépêche-toi de rechercher. Nickel. On va pouvoir développer un nouveau jeu. Ah oui, c'est vrai, je peux faire des grands jeux aussi. Mais par contre... Ouais. Les grands jeux... Ça va me coûter extrêmement cher en développement. On va continuer sur un intermédiaire. On va prendre le thème... Le thème post-apo RPG, donc grand. On va prendre Xbox 360, il me faut la licence de 500 000. On va prendre Play System et le PC. Voilà. Le moteur de jeu, on va prendre le numéro 6. Je croise les doigts hein, parce que. On va l'appeler... Allez. Quand je vois post-apo, ça me fait penser tout de suite à un Fallout. Alors je vais l'appeler New Vegas. Et non pas Fallout 2, 3, 4, 5. Parce que j'ai des séquelles à faire. Donc... Enfin, des suites. Donc c'est parti. En espérant que j'ai pas fait de conneries. 3DV4. C'est parti. Alors là, les coûts de développement. 1,6 million en tout. Qu'est-ce qu'il me dit? PDG, ouais. Test ont récemment explosé certains de vos jeux, bizarrement ils n'ont pas pété un câble. Ils ont même semblé apprécier l'expérience. Bref. Certains de mes produits auraient besoin d'un coup d'un placement de produit, d'accord. Placement de produit dans un jeu. Pourquoi pas, ça me dérange pas, hein. Allez. Petit placement de produit, ça ne peut pas faire de mal. Par contre, ils sont un peu fatigués, mes employés, j'espère qu'ils vont tenir le choc. Alors. Ron. C'est le meilleur. Ok. Histoire quête, il me faut un bon tech. Alors, la dernière fois, j'ai remarqué, je me suis gouré. J'ai mis Connor Rose en disant que c'était le meilleur tech, mais non. Mon meilleur tech, c'est Jane Nelson. Donc, on va le changer. Ouais, je me suis planté la dernière fois. J'ai vu ça en regardant les vidéos. Je me dis, merde, pourquoi j'ai mis Connor en disant que c'est le meilleur tech alors que Jane est en dessous, quoi.
Allez, en espérant que ça fonctionne bien, bah, ça devrait aller, je pense. On va tout mettre. Boum, 777 000. Eh, ça commence à coûter cher. Hein. J'espère que ça va être un bon jeu. Allez, développe. Allez, la boost. Ah, le hype va monter un peu. Par contre, je suis pas très très confiant. Là. Ça monte doucement. Hein. J'ai un peu peur. Là. J'ai un peu peur quand même. Hein. C'est... Salon du jeu vidéo, ouais, 375 000. C'est pas grand chose. Mais... Allez, là, plus vite. Hein. Les gars, là, vous faites quoi? J'ai l'impression que le boost il a pas servi à grand chose. Hein. Bon remarque, tu me diras 90-62, c'est correct hein, quand même. Alors, dialogue il en faut. Ça on va le mettre au milieu, intelligence artificielle, il en faut un peu moins. Alors, moi je suis là au milieu, c'est très bien. Ron, le développeur tu es là, c'est parfait. Et Jane. Jane, tu vas aller là. Hein. Voilà. Et ensuite on remplacera si jamais commence à fatiguer. Par contre là lui voilà, ils sont crevés, c'est ça le truc en fait. Je crois que c'est à cause de ça, ils sont complètement claqués. C'est ça le souci. Alors, est-ce que je lui accorde un congé? Non, je leur accorderai un congé après parce que tous les points sont bons à prendre, même s'ils sont un peu lents. Ah ils sont complètement lents. Lui là, il est lent, c'est un truc de dingue. Il est mort, il est claqué. Aïe. J'aurais dû y penser plus tôt. Xbox sera bientôt retiré du marché, d'accord. Gamesphere aussi. Ah, la Wii, qui développe la NU, qui montre son prototype, machin, ouais. Allez. Oh putain, il est claqué. Alors, graphisme, voilà, son... Hop. On va laisser comme ça. Par contre, toi, tu vas aller tout de suite en congé, même pendant le développement. Ça fera gagner un peu de temps. Aïe, la boulette. J'ai pas tous mes employés. C'est la boulette. C'est la grosse boulette. Hein. Aïe. En plus, j'aurais pu remettre un coup de boost. Putain, le con. Oh là, je commence mal. Je commence très très mal. Et là, ils reviennent. Ah, je commence très très mal. Et Xbox retiré du marché. J'ai intérêt à vite me rattraper avec un autre jeu. Un peu de post-prod, ça peut pas faire de mal. Ouais, même si ça changera pas grand chose, allez terminer le jeu. Aïe. Je le sens pas du tout celui-là. Ok, une augmentation, d'accord. Nouvelle recherche, 3D stéréoscopique avancée. Ok. Donc toi, tu vas aller en congé. Hop, voilà. Toi aussi. Ah là, j'avais pas vu tout ça. Aïe. Oh putain de merde. Oh non, je le savais. Oh putain. En plus, je l'ai pro... Oh putain, j'ai fait une promotion, quel con. Quel abruti. Oh, c'est lamentable. Ouais, ça rattrape un peu, 1 million de vendus. Ouais. Ça descend vite. Hein. Oh là là, ça descend vite. Mauvaise pub au jeu. Hein. C'est tout, bah c'est la merde. Parce que maintenant, pour développer un jeu, ça me bouffe quasiment plus de 2 millions. Presque 3 millions, je crois. Donc voilà. Le recherche et développement, est-ce qu'il bosse là? Non. On leur met allez un petit 30 000 par mois, c'est pas grand chose mais bon. Ok, la Wii est sortie. Ce qui a rattrapé un peu les ventes, je crois que c'est une multiplateforme. On va développer un nouveau jeu tout de suite. Là j'ai mes deux de boost, donc est-ce qu'on essaye le grand? Moi je serais d'avis d'essayer le grand jeu. On va rester dans le RPG, on va prendre SF. Par contre SF c'est tout public, RPG. RPG, je sais pas trop. Tout public 2. Là, c'est tout public 3. Tout public 2. Ouais, on va le laisser en tout public.
Alors, 4 000... Oh la vache, non, je peux pas, 4 millions, non. Intermédiaire. Vous avez vu la différence de prix? Sans déconner. Oh putain, la vache. Space Quest. Je sais pas si j'ai déjà appelé un jeu comme ça, on verra. On va faire Space Quest, hein, simplement. Ah, je peux faire une séquelle, attends. 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 Une suite. La suite de Star Story 2. Je l'ai fait avec quel moteur, ça? Oh, je sais plus. C'est pas grave, on va quand même le faire. Sur le multiplateforme, bien sûr, en intermédiaire tout public. Donc on refait ça. Le PS2 PC. Ok. 3,5 millions. Allez, j'hésite, hein. En faire un grand, mais j'hésite. Est-ce que je m'y risque? Ah, j'en sais rien. Ça... Oh putain, ça fait peur parce qu'il me reste 7,3 millions plus le coût de développement à côté. Ça va faire un petit 5 millions 6 millions. Non, je peux pas. Non, c'est bon. Allez, Star Story 3 en intermédiaire. Voilà, et c'est tout. On va commencer comme ça, j'espère que ça va bien se passer. Baril explosif rouge, voilà. Ça, c'est pour le placement de produit. Ok, pour l'instant, ils ont la forme, tout se passe bien. On va rester comme ça, hein. De toute façon, c'est toujours un RPG, donc... Hop. Allez, boost. Allez-y, les gars. Là, c'est le moment, là. Le carburant, allez. Boost de mes deux, ouais, ça a rien fait du tout. Hein. Ouais, vite fait, quoi. J'ai l'impression que le boost est de moins en moins efficace. Ou alors, faut peut-être que je leur fasse des formations, parce que là, ça... Ça commence à... Hein, à poker, là. Alors. Là, normalement, j'ai rien à changer non plus. On va continuer. Bon, là, ça a l'air d'un peu mieux se passer que tout à l'heure. Ah, ouais, j'ai gagné quand même 4,5 millions, c'est déjà pas mal. 4,5 millions, c'est déjà bien. Ah là, il développe encore un peu plus en design. Ah, ça a l'air d'aller quand même. Par contre, en tech... Ouf, ça a l'air moisi. Ils y mettent pas du leur. Hein. Ah. Est-ce que le jeu sera fini d'ici là? Je vais prendre... Ouf, allez, un petit stand. On va pas faire les fous. J'ai pas trop mis en marketing parce que ça m'a pas aidé la dernière fois. Donc là c'est bon, touche à rien, on continue comme ça, hop, c'est parti. Ouais, j'ai entendu Zone Game travailler sur un nouveau jeu. Allez, on accepte l'interview. Est-ce qu'on met du hype? Ouais, on met du hype. Je suis plutôt conscient, c'est gratuit en plus, donc... Hein, de la pub gratuite, c'est toujours bon à prendre. Hein. Allez. Le dernier petit coup de boost, ça fait du bien. Successeur de l'ultra populaire PS2. Ah, c'est la PS3 va arriver. Bonne nouvelle. Ouais, lecteur Blu-ray, tout ça, nickel. Ouais. Comment les consommateurs y réagiront? Ouais. Sony peut garder espoir, c'est sûr. Ok. Donc ça va nous faire encore un peu plus de hype. J'ai gagné beaucoup de points de recherche là. 142, c'est super. Je vais pouvoir me lâcher un peu dans les formations surtout. Faut que je les forme, les Gugus. Hein. 218 de hype. Oh là 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 là, il a intérêt à avoir une bonne note. Hein. Oh, je stresse à mort. Hein. Allez. Dernière ligne droite. Ok. Les bugs. 63 bugs à corriger. Allez-y, les gars. C'est bon. Tranquille. On y va. Ok. Un dernier bug. Ah, il y en a un qui est revenu. Allez, on l'enlève. Non, encore un qui est revenu. Putain, les mecs. Un peu de post-prod, c'est bon, allez, terminé. 237 de hype. Oh là là. Nouveau record de design. Ouh, on y croit. Ah, j'ai Ron Reglo qui est passé niveau 5, d'accord. Formation spéciale, ok. Ah, environnement dynamique, graphisme 3DV5. Oh là là là, on arrive dans la next-gen.
ça arrive tranquillement. Ok, critique, allez. Combien? Une bonne note, s'il vous plaît, une bonne note. 7, c'est correct. Allez, allez, un petit 8. Oh, nickel, parfait, parfait. Et, 8. 7, ça va, c'est une bonne moyenne, c'est la même moyenne que le jeu précédent. Ça veut dire qu'il a à peu près la même popularité, donc ça reste une suite correcte. Si la suite aurait été moins populaire, là j'aurais eu des problèmes, on va dire. Mais là, ça a l'air de s'être bien passé quand même. Alors, 87, ouais, ça monte un peu là. Bon, je sais pas si le hype a vraiment aidé là, j'ai un peu peur. Le jeu plus récent que la série. Alors, c'est des critiques très positives, ok. Ouais, c'est bon, ça monte là. Ok. Cela a eu un effet négatif sur les ventes. Putain, non, c'est pas possible. Il a une note correcte, quoi. Ok, ça va, ouais. Putain. Aïe. Rapport, on va faire les rapports. On va se dépêcher de faire les rapports. Former. Alors lui, il faudrait 500 dans un domaine ou dans l'autre. On va le développer en technologie. Comme ça, je pourrais aller faire la formation spéciale pour avoir le boost. Ou alors, on lui fait des formations équilibrées. Je sais pas. Ah, attendez, je vous laisse. Il y a quelqu'un qui arrive. A tout de suite. Re tout le monde. Donc, c'était ma chérie qui était en train de rentrer. Dis bonjour. Salut. Voilà, un peu timide, hein, mais bon. Donc, ouais, alors j'étais parti pour faire des formations. Alors, je voulais faire une formation équilibrée pour Jonah, mais je sais pas où elles sont. Alors là, j'ai recherche, vitesse, technologie et design. J'ai pas équilibré, apparemment. Donc, on va l'orienter vers la technologie. Et c'était... Il y avait quelqu'un d'autre aussi, je crois, qui avait la formation pour le boost. Mais pareil, il lui faut 500 partout. Et ça va être dur. Hein. Bon, tant pis, on va leur faire des formations un peu au hasard. Ça va booster un peu la performance totale, on va dire. Lui, il a déjà 500. Boost max niveau 3. Oh, faut 700. Ah oui, c'est pour avoir 3 boosts, en fait. D'accord. Run. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, je peux lui faire. Donc. Nickel, ça va me faire un autre boost en plus. Donc là, il y a les deux autres qui font leur rapport. Ça me fait des points de recherche. La PS3, ouais. Ok, d'accord. Ah, le type action est le plus demandé. On va essayer de faire un jeu d'action, du coup. Alors, son semble être pas très important. Ok, là, il y a un bug de traduction. Plateforme audience match, public averti, play system, ok. Nous devrions essayer de concentrer notre équipe entière sur le développement d'un jeu hype, vu qu'il y en avait... qui était crevé, là. Du coup, ils ont pas bossé dessus. C'est pour ça que ça a foiré. Pas de nouvelle perspective, d'accord. Donc on attend que l'autre Gugus il ait le boost. Ok, la PS3 elle est sortie. On va envoyer les... ceux qui sont un peu crevés. Hein, qu'est-ce qu'il me dit Moteur sur le développement multiplateforme. Hein. Multiplateforme optimisée. Ouais, je sais pas trop ce que ça fait, on va voir. Oh putain, 150. Alors attends, multiplateforme optimisée sans point de recherche. Ouais. On va y aller. Hein. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais. Le congé pour toi et toi aussi. L'autre il a le boost qui se développe. Pour l'instant ça va. Ah, il se revend déjà un peu plus le jeu. Il y a eu un petit pic de vente là. Ouais.
Non, c'est encore les arnaqueurs nigériens, je sais pas quoi. Pourquoi tu te marres? Bah oui, non, mais il y a des mecs qui t'envoient des mails. Ouais, donne-nous 120 000, on a investi 2 500 000 dans ta boîte. On les a mis dans une banque et tout, mais c'est des gros arnaqueurs. Et oui, ils sont nigériens, qu'est-ce qu'il y a? Ça pose un problème? D'ailleurs. Non, c'est nigérien. Nigérien ou libyen ou je sais pas quoi. Chinois. Alors. Ouais, multiplateforme optimisée, je sais pas trop à quoi ça sert, on va bien voir. On va développer un... Ah, l'autre il va aller en congé. Donc on va aller faire son congé, on va attendre, on a un peu de marge. Oh, par contre ça part vite, hein. 400 000 de salaire à payer. Pff, oh là là. Par contre 30 000 par mois, j'ai l'impression que ça fait rien du tout. On va mettre zéro. Victime d'escroc nigérien. Tu vois, c'est nigérien. Bref. Alors. Ah, putain, ils commencent tous à être crevés, là. Ils veulent des congés, mais jamais en même temps. Ils sont chiants. Là. Allez, maniez vos fions. Oh, les casse-couilles. Là, je suis en train de perdre ma thune. Allez, maniez-vous, là. Allez, on revient. Allez. Voilà, hop, on va développer un nouveau jeu. Alors, le multiplateforme optimisé, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on verra bien. Le thème, on va prendre militaire, stratégie, Xbox, PS3. J'ai pas la licence, oh là là, ça me coûtait cher, ça. Xbox, PS3 et PC, hein, parce que je vais pas sortir sur PS3 et PS2, ça n'a pas un grand intérêt. Pour public averti, le moteur de jeu numéro 6, on va l'appeler... On va l'appeler comment? Quoi? Metal Gear. Metal Gear, c'est pas un jeu de stratégie. C'est un jeu avec de quête. Donc on va l'appeler... On va l'appeler alerte rouge, tiens. J'avais déjà fait commander concert, bah là on va faire alerte rouge. Voilà. Ah voilà toi. Pas ce genre de jeu. Oui bah t'aimes pas ça. C'est tout. Hein. Donc, ça c'est bon. 3DV4, va falloir que je développe le 3DV5, mais ça me prend 150 points de recherche, ça va être super long. Oh putain, il me reste plus de 3 millions 6 là. Ça descend. J'aime pas ça. Alors là normalement on va avoir 3 boosts disponibles, par contre là je sais... Merde, putain je sais pas du tout... Histoire quête c'est moins un moteur. Je pense que ça doit être ça. J'espère que c'est ça. Jen Nelson, ok ça c'est bon. Azarak là, Ron il est là. Ok. Hop, on va tout de suite activer les boosts. Et il se gratte la tête, arrête toi boss putain. La PS2 va être retirée du marché. Allez, toi aussi, boost. Non, ça pue du cul, là. Paye ton jeu pourri qui va arriver. Ça sent le jeu moisi. J'espère que je vais pas refaire faillite. Hein. Va encore falloir que j'appelle Emmett Brown pour aller dans le passé. Va falloir que je rappelle le doc, sinon ça sera... Hein, ça sera pas super. Alors, parce que le pauvre vieux... hein, il a plus toute sa tête, et puis... Donc Ron, par contre, moi je suis un peu surchargé. Design de niveau. Il faudra que je mette quelqu'un d'autre équilibré. On va mettre Edna. Et le reste, on va le laisser comme ça. Ouais. Voilà, on va faire ça. Alors ça s'est stabilisé. Ok. Grapple, ouais. L'iPhone, machin, ok. C'est parti. Alors ça monte. Ah là, le design, ça commence à monter un peu plus. On va mettre un petit stand. Je vais pas trop mettre de marketing. Hein. Pas comme le jeu précédent où je me suis pris une tôle. Alors PS2 retiré du marché. Ah j'ai gagné 70 millions avec la PS2. Bah la vache. Je crois que c'est la console avec laquelle j'ai sorti le plus de jeux. Enfin que j'ai eu le plus de recettes
depuis le début du let's play. Alors 205, 159 pour l'instant ça se passe bien. Donc il faut baisser le graphisme, monter un peu le son. Ok, il y a mon chat qui pète un plomb encore. Le son, ouais, on va le baisser encore un peu, on va faire ça comme ça. Comme là il y a le point d'interrogation, c'est pas encore sûr sûr que ce soit ça, mais bon. On va rester sur cette optique. Bon, là il y a le 3, allez. On se manie, maniez-vous. Ouais, j'aurais un peu moins de 400 000, ouais, 377. C'est suffisant, de toute façon j'en voulais... Pff, j'en ai déjà 136. Ouais. Ça sent le bide encore. Il a du mal à monter son boost, lui, j'ai l'impression. Avertissement, votre compte bancaire est dans le rouge. Ah, ah, ça y est, ça recommence, putain. Faut vite que je le vende, le jeu, là. Allez, 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 allez. Non, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Avec les bugs à enlever, non, c'est trop tard, je crois. Ça va être la faillite. Ah, moins 500 000. Maniez-vous, maniez-vous. Assorti, ouais, l'iPhone, ouais, on s'en fout. Allez hop. Pas de nouveau record. Ça pue. Ça sent mauvais. Augmentation de salaire. Ah bah oui, je suis déjà dans le rouge. Formation spéciale, nouvelle recherche, météo réaliste. Okay. Allez, faut le vendre. Vite, on se grouille, on se grouille. Critique. Quelle belle note de merde. Là. 6, putain. Oh là 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 là. Allez, vends-toi. Ça pue, sans déconner, ça pue. Hein. Ouais. Va peut-être falloir que je développe un nouveau moteur, mais... Ah, 1 4 000, mais j'ai même pas de quoi développer un jeu, quoi. Oh là là là, ça va être la faillite, hein. Ça va être la faillite, là. Ouais. Bah, de toute façon, là, on a 28 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais franchement, pour l'épisode suivant, je sens que ça va être la merde. On verra bien, mais à mon avis, dès le début de l'épisode suivant, ça va être la faillite. Alors, si c'est le cas, ce que je ferai, c'est que je tournerai un peu... Enfin, je jouerai un peu en off pour remettre bien... Pour me remettre bien, on va dire. Sans tricher, hein, je précise. Hein, je suis pas un cheater, moi. Quoi, je triche pas, moi. Non, voilà, je suis pas un cheater. Et bah, je vous dis à la prochaine pour la suite. Hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, parce que je crois que là, j'en ai quand même besoin. Et abonnez-vous hein, pour connaître les dates de sortie des vidéos suivantes. En espérant que ça vous ait plu, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. C'était Azarath pour Gaming for Fun et je vous dis à la prochaine. Ciao !